sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. L'archipel des îles des Perles est un groupe d'îles situé dans le golfe de Panama, dans l'océan Pacifique. Cet archipel fait partie du Panama. Il est composé de plus de 200 îles et îlots, dont seulement quelques-uns sont habités de manière permanente. L'archipel de Las Perlas doit son nom aux conquistadors espagnols qui le traversaient au XVIe siècle. Ils ont été attirés par la richesse des îles en perles, d'où le nom Las Perlas. L'archipel de Las Perlas est un joyau tropical situé dans le golfe de Panama. Nous sommes arrivés à l'archipel de Las Perlas hier soir. Et le mouillage est très bien, c'est très calme. Et on a trouvé un beau coquillage. Elles sont où les perles? On va chercher les perles de Las Perlas. Et tout à l'heure, on a vu une tortue, une grosse tortue. Les garçons, ce matin, ils ont plongé. Ils ont fait du snorkeling pour voir s'il y avait des poissons. Et ils ont pêché un gros poisson qui ressemblait à un poisson perroquet. On l'a rejeté car on n'était pas sûr s'il fallait le manger ou pas. Bon, on a fait un concours de créativité. On commence par moi, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu as fait? En 2D? Alors, Jade, what is that? Un bateau, genre. Ça, le soleil, ça, les nuages. Là, Fredo avec son chapeau qui tient la barre. Ça, c'est le mât, ça, c'est la voile. Ça, c'est l'eau et ça, c'est comme un dauphin. Ah, sympa. Maintenant, on va voir Julia. Ta-na-na-na. Wow. Stylé, hein. C'est quoi le coquillage? Stylé. À l'avant. C'est le cockpit. C'est beau, hein? Bravo. Avec ses magnifiques îles, ses eaux cristallines et sa biodiversité marine, il offre une escapade idyllique pour les amoureux de la nature et les amateurs de la plage. Thank you.
Certaines des îles les plus connues de l'archipel de Las Perlas incluent l'île Contadora, qui est la plus développée et la plus visitée. Elle offre des infrastructures touristiques telles que des hôtels, des restaurants et des activités nautiques. En raison de sa proximité avec la ville de Panama, l'archipel de Las Perlas est facilement accessible en bateau depuis la capitale. Il est donc une destination de choix pour les habitants de Panama City. On a quitté notre mouillage à Chapera tout à l'heure, en début d'après-midi, pour arriver à l'île qui est juste de l'autre côté, Contadora Island, dans l'archipel des Las Perlas. Il y a un peu plus de civilisation ici, car il y a beaucoup d'hôtels. Alors que là où on était, c'était relativement désertique. C'était très bien aussi. Mais là, il nous reste presque plus de nourriture sur Odin. Les Bambi. Elle est où leur maman? Ok. Explico. Explico. A esto adelante. Bon, on va louer une voiturette pour faire le tour de l'île. Voilà, comment est-ce? Ok, gracias. Allez les enfants. Montez. Bon, là on change de voiture parce que l'autre ça allait pas. Ce soir, on mange chez Casa Tortuga, chez Piero, l'Italien. Alors, on commence avec une pizza. Et nous, on a commandé des pastas et avec une salade burrata. Et chez Piero, il faut réserver, hein, parce que c'est toujours complet ici à Isla Contadora.
Bye. Voilà. Avec Posidoni et Five, voilà. Ils ont passé le canal. T'en penses quoi? C'était incroyable, franchement. Expérience de ouf, en fait. J'ai vraiment apprécié l'expérience, quoi. C'est tout. Tout en Pacifique, quoi. Abonnez-vous!